Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test ASD2 de l'année 2019. C'est bon? Le premier exercice, un produit est défini par l'enregistrement suivant, par l'enregistrement suivant et le fichier produit.date où sont enregistrés les produits d'un magasin. C'est bon? Tous les produits du magasin sont enregistrés dans le fichier produit.date. Et chaque produit est défini par les informations suivantes: code, désignation, c'est-à-dire le nom, quantité et le prix. Quantité dans le magasin. C'est bon, la première question donne la déclaration de ce type. La deuxième question écrit une fonction qui permet de créer le fichier contrôle.date qui doit contenir les produits dont la quantité est inférieure à 100. C'est bon? La deuxième exercice écrit une fonction récursive qui permet de calculer la somme des nombres positifs d'une liste chaînée d'entiers. C'est-à-dire cette liste contient des valeurs positives, négatives et nulles. Donc l'objectif, on doit calculer la somme que des valeurs positives. Mais cette fonction est récursive. Le troisième exercice, soit créer un fichier contenant beaucoup de zéros. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de zéros. Étant donné une liste chaînée contenant les positions des valeurs de 1, écrit la fonction qui permet de créer le fichier comme dans l'exemple suivant. C'est bon, on a une liste contenant les positions des 1. Donc, on va créer un fichier, mais il faut respecter les positions de 1. Par exemple, 1 dans la position 2, 0, 1, 2. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 1 dans la position 3, 13, ainsi de suite. C'est bon, donc je vous laisse un temps de réflexion et nous te la prochaine fois, Inch'Allah, pour la présentation de la solution.